Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo haul. Vous savez que c'est ma vidéo favori. Bon, on va commencer avec Bershka. Tout d'abord, Bershka, j'ai commandé cette banane. C'est impressionnant comme toutes les anciennes tendances reviennent vachement à la mode. Tout ce qui est ceinture, foulard, couleur néon, choses très larges. C'est une petite banane. Franchement, je peux y rentrer mon téléphone. Je sais même pas si mon téléphone rentre. Je l'ai pas encore. Si, pile poil mon téléphone. Si j'ai un iPhone X, ça rentre pas quoi. Une sorte de ceinture comme ça. Donc il vient de chez Bershka. Je l'ai pas payé très très cher. J'ai dû la payer 9 euros, je crois, quelque chose comme ça. Des fois, je sors de chez moi et j'ai la flemme de prendre mon sac avec tout ce qui va dedans. Des fois, juste une carte de crédit, ton permis et ton portable, ça va très bien. Mais par exemple, je vais à un festival fin juin. Et je pense que ça sera vachement pratique, sachant qu'on n'a pas droit à tout ce qui est caméra, etc. Donc je pense que mon portable, carte de crédit, enfin un peu d'argent, ça fera très bien à faire là-dedans. On va rester sur du Bershka. En même temps, j'ai commandé ce pantalon. J'ai dit des millions de fois à mes copines, jamais j'achèterai de pantalon blanc. Je sais pas comment vous faites pour avoir des pantalons blancs. En fait, il suffit de trouver la bonne chose. Et ça te fait complètement contredire toutes tes paroles. Un peu large, un peu cargo. Donc avec des poches et il est très, enfin il est opaque et j'adore le style qu'il renvoie. On va continuer avec du Nike. Récemment je me suis acheté une nouvelle paire de chaussures, j'ai craqué. Paire de chaussures que j'avais vu dans un magasin et il n'avait pas ma taille. Donc franchement ça m'a laissé sur un goût assez amer et je déteste. Du coup j'ai commandé sur le site Courir. Regardez-moi ces beautés. Donc je les ai payées 110 euros. Donc livraison gratuite et par contre je les ai reçus super rapidement, donc j'en suis super contente. Mais en fait dès que tu prends goût à une paire de chaussures, enfin comme celle-ci, t'es hyper bien dedans, ça passe avec tout. Et j'ai une obsession pour le rose poudré en ce moment. Pour ceux qui voudraient, je vous mettrai la référence en barre d'infos, c'est les Sage Low. Et je les ai pris en 38 parce que mes dernières Air Force One c'était du 38 aussi, donc je suis très très bien dedans. Ensuite on va continuer avec du Zara. Lors de ma porte ouverte au lycée de Tours, je suis allée faire des magasins. D'ailleurs, ville que j'ai adoré, pantalon rouge. J'ai mis une photo sur Instagram avec ce pantalon, donc si vous voulez voir comment il rend, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je mets très 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 souvent mes tenues en story que après je sauvegarde à la une. Donc voilà, pantalon rouge, droit, large, hyper confortable. Par contre c'est un pantalon que j'ai payé un peu cher, je l'ai payé 40 boules, donc ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, après c'est de la qualité, c'est un des pantalons de la nouvelle collection, donc bon. Et ensuite, commande que j'ai effectuée sur le site Zara. C'est un ensemble que je veux depuis un moment. Je trouvais ça super beau et je me dis, je voulais vraiment avoir un tailleur. Il existe en rose poudré comme ça et en bleu vert un peu. Donc j'ai tout d'abord pris la veste tailleur qui est super jolie, qui taille super bien. J'ai pris la veste une taille au-dessus que le pantalon. Le pantalon me va un petit peu grand au niveau de la taille surtout, donc je sais pas encore comment la viser. Je sais pas si je vais le faire, si je vais faire un point, enfin si je vais faire une retouche ou si je vais l'accessoiriser d'une ceinture. Comme je vous l'ai dit, donc le pantalon plus la veste combinée, ça faisait un alentour autour de 49 euros, quelque chose comme ça. J'étais à Jennifer, mais Jennifer, j'ai pas trouvé grand chose à part parce qu'en fait, quand je voyais les influenceuses du style Lena Situation, etc., faire les campagnes des nouvelles collections de Jennifer, je trouvais tout le temps les vêtements beaux sur elle. Mais quand je vais en magasin, je sais pas si c'est mon magasin mousson, mais je trouve rien du tout. J'ai quand même opté pour ces petits foulards là. C'est de ouf la tendance des foulards en ce moment, donc que ça soit dans les cheveux, que ça soit autour du cou ou que ça soit au poignet. J'ai adoré leur imprimé. Ils étaient à 4,99€ l'un. Et quelques semaines, j'étais à Paris pour l'événement Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Et dans les messages qu'il veut renvoyer et le côté complètement décalé dans ses créations. J'adore ça. C'est un super show. Donc franchement, je sais pas si c'est encore disponible. C'est super bien mis en scène. Les acteurs, les mannequins sont incroyables. Donc du coup, je suis quand même repartie avec ce joli tote bag. Donc on va continuer cette vidéo avec deux partenariats, donc Zafool et Cup She, une marque de maillot de bain, et Zafool que vous connaissez. Donc j'ai pu choisir 5 maillots de bain, dont un que j'ai donné à ma soeur puisqu'il ne correspondait pas à ma morphologie. Il y a des beaux modèles sur ce site là, les tailles correspondent très bien, ils m'ont l'air de très très bonne qualité. Donc déjà vous les recevez dans des petits sachets comme ça, assez hermétiques. C'est des ensembles de bikini qui sont aux alentours de 20 euros, donc des fois quand vous achetez le haut et le bas combiné dans des magasins, ça vous revient beaucoup plus cher. Enfin, c'est un ensemble en velours
vert un peu, vert sympa. En fait, c'est ouvert sur le côté et nous avons donc la culotte juste ici. Donc le haut est comme ça, en fait c'est vous faites un nœud au milieu. Ça c'est cool parce que même si tu prends du S, tu peux quand même ajuster. On a quand même des petites coques que vous pouvez enlever, juste histoire que quand t'as froid ça se voit pas quoi. Voilà, et c'est resserré au milieu pour donner des plus belles fesses. Contrairement à ce qui soit resserré devant, il est resserré derrière. Donc, moi j'adore quand c'est comme ça, pour le bas il est comme ça. Donc en fait, au milieu, donc il est assez fin, donc au milieu, vous voyez, c'est comme ça. Voilà, vous avez juste ce petit trait et c'est ouvert. Ensuite, c'est refermé comme un soutien-gorge juste derrière. C'est tout échancré dans le dos, donc c'est super beau. Donc après, vous avez la culotte en bas. Et donc voilà, c'est tout échancré au niveau du dos et sur le côté du ventre, quoi. Il est super beau. Allez faire un tour sur le site et dites-moi ce que vous en pensez à l'approche de l'été. Je vais continuer du coup avec Zafoul. Nous avons ce petit haut sur Zafoul, blanc. Assez court pour l'été avec un short, tac, ça passe. Ça coûte pas cher et en plus ils sont de super bonne qualité. Nous partons sur cette jupe là, donc là c'est plus une jupe d'hiver, je vous avouerai. Voilà, elle est assez épaisse, elle a des détails un peu de tricot, un peu de couture. Elle n'est pas trop courte en plus de ça, donc j'aime beaucoup. J'ai ensuite pris un ensemble sur Zafoul. Là je suis un peu dégoûtée parce que c'est une veste avec une jupe, donc c'est... ce détail là, sauf que la jupe me va beaucoup trop courte et beaucoup trop petite. Je rentre dedans, mais c'est équivaut à un short court quoi. Par contre la veste en elle-même est super belle, j'arrête pas de la porter, elle est super fine. J'ai pris cette chemise là sur Zafoul, chemise qui change un peu d'habitude parce que je suis à fond chemise en ce moment. C'est une chemise imprimée, elle est assez large, assez ample. Donc, vous voyez, c'est une robe chemise comme ça, rouge et blanche rayée avec des boutons. Elle est courte mais ça passe. Mais voilà, par exemple, je me verrais plus la porter avec un maillot de bain tout pour aller à la plage. Mais réellement, je peux pas la porter pour sortir. J'ai opté pour ce petit haut là. Franchement, ils ont un large choix de petits hauts en rési transparent. Ils sont super beaux, leur haut comme ça en plus. Donc là, j'en ai pris un t-shirt. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu tester leur gamme de maquillage, enfin de produits pour maquillage, etc. J'ai commandé des petits blenders parce que les miens étaient complètement... mort. En ce moment, je suis no make-up ou alors on part sur du mascara, c'est tout. Donc du coup, c'est vrai que je les tisse pas de ouf en ce moment, mais ils sont bien, ils se lavent bien. Et puis, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.